Alors, Kaouna ou l'Arctique au gré des vents, c'est l'histoire de quatre jeunes qui sont un peu barrés, qui partent en Norvège en voilier et puis qui vont faire des couloirs du ski un peu extrême. Au départ, toi, t'étais un peu réservé, Christian. Oui, pour être tout à fait honnête, j'étais très réservé. Je me suis dit, la voile, le ski. En fait, c'est surtout une belle aventure humaine. C'est quatre copains, quatre élèves ingénieurs qui Et partent ingénieux. et ingénieux et pleins d'humour. Et ils partent 4 mois, 5 mois, pardon, au Svalbard, un endroit qu'ils ont découvert sur Google Maps, hein, qu'ils connaissaient pas du tout. Et ils sont confrontés un petit peu à toutes les conditions de l'Arctique. Et donc, au final, Technique de la c'est vraiment voile. une superbe expérience. Et j'ai Donc passé un très très bon j'ai fait moment. ses preuves Oui, déjà. comme tu l'as dit, voilà, c'est des ingénieurs, mais ils sont ingénieux, ils s'en sortent toujours, ils sont toujours optimistes. Il leur arrive des galères, bon, que ce soit en voile ou même dans la montagne, parce qu'ils sont un petit peu engagés comme aventure, mais ils s'en sortent toujours avec beaucoup d'humour. Il y a du dynamisme, c'est des jeunes, effectivement. Puis ils nous embarquent avec eux dans leur aventure, quoi. C'est bien filmé, moi j'ai trouvé. Il y a de la GoPro, il y a du drone. On vit l'aventure avec eux quand ils sont dans ces couloirs, on se demande comment ils vont s'en sortir. Et moi je trouve que bah, c'est une belle histoire, on s'ennuie pas du tout. Oui, c'est une belle aventure et puis ils sont quand même un peu barrés. Hein. Et le fait d'être en groupe, ils arrivent à dépasser leurs limites. Ils font des choses assez extraordinaires. On les voit descendre dans des couloirs de neige. On a l'impression que c'est abrupt. Mais ils pensent que c'est une première, par exemple, sur un couloir qu'ils ont descendu. Et il faut être un peu barré. Et c'est le dynamisme du groupe qui leur permet de faire ce genre de dépassement. Voilà, c'est des destinations, la Norvège, les Lofoten, le Svalbard. C'est pas forcément des destinations très lointaines, mais c'est pas un voyage ordinaire non plus, parce que c'est un voyage à la fois sportif, c'est un voyage de jeunes qui s'en sortent, voilà, qui ont appris la voile, qui ont appris la montagne aussi, et on suit tout ça avec eux. Et moi, je trouve que vraiment, on est dans cette aventure-là, et c'est bien filmé, et honnêtement, moi, je pense qu'il faut y aller tout chousse. Voilà, ben vous faites pas comme moi, pas de réticence, vous pouvez venir, vous passerez un bon moment, c'est un super film.